Bonjour à tous mes petits dioles, j'espère que vous allez bien. Tiens, si j'essaie une NES. J'ai bien envie d'essayer une NES. Avec le skin, oh là là, le skin Bukake est tellement beau. Il est tellement joli, il y a quoi d'autre? Ouais, non, on va rester sur le skin Bukake. Boucanier, oh. Attendez, j'ai joué Bastet. On va rester sur le style Kawaii, voilà. Restons sur le style Kawaii. Qu'est-ce que je fais sur cette Bastet, sur cette NES? Transcendance? Non. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Bon, j'ai test Arès. Deux fois horrible. Deux fois je fais un kill, mais après c'est horrible. Oh, une Neja. Une bonne vieille Neja. Plutôt pas mal. Bon, bah, Purif. Il me faut Purif face à Neja. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est Gu. Gu 7-5. Ok. Ok. Alors. Ça. Cheval. Ainsi que une potion de vie. Go! Et j'avais dit une purif. La purif, c'est obligatoire. Je vais prendre mes trois spells. Il me faut mon escape. Il me faut mon 2 pour diminuer son attaque speed et mes dos des push. Et mon 1. Parfait. Bon, bah go. On va partir sur une NES auto-attaque. Hein, de toute façon. Ouais, auto-attaque. Non. Full peiné peut-être. Full peiné peut-être. On verra bien. Bon, de toute façon, vous connaissez tous le passif de Neja. Hein. Quand tu gagnes, tu perds. C'est toujours comme ça. C'est toujours, toujours comme ça. Allez, hop. Je peux avoir les deux. Les rouges là? Merci. Parfait. Voilà. Il fait son bleu? Il fait quoi? Parfait. Allez, go. Hop, voilà. Je vais avoir mon 1 soon et là. Bon. Oh, loupé. Ok. Bon, bah tant pis, hein. Qu'est-ce que je vous dis? Hop, voilà. Tout ce que je voulais, c'est le poke là. Parfait. Alors, au niveau du push, autant vous dire que j'ai un meilleur push que lui, même si je n'ai plus du tout de mana. Hop. C'est bon. Alors là, je crois qu'il s'est tué là. Oh, merci les mignons. Merci les mignons, parce que là, je galérais en fait. Je galérais vraiment complètement. Et je loupais toutes mes auto-attaques. Les mignons, ils ont fait, t'inquiète pas, Benzé, on prend le relais. Va te coucher, tu m'as l'air fatigué. T'as tenté Arès, c'est mal passé. On a décidé là avec les poteaux que tu pouvais te reposer. Hop. Ça ne touche pas ça, c'est passé, hop. Bon, j'aurais pensé réellement qu'il allait me rush dessus, mais non, il a fait le mec sympa, tu vois, il a fait le mec cool, détaché, pas besoin. J'aurais pu l'ulti là, je pense. Le mec, il voit un ulti arriver comme ça. Mais pourquoi donc? Il a du back, ça m'étonnerait qu'il rush le rouge. Oh! Mécréant! Parfait. Ok, bon bah il a payé le rouge hein. Il nous a payé un petit rouge là, au KLM. Bon, on l'a pas bu, on lui a laissé. Hein. On lui a laissé très clairement. Mais c'était plutôt bien sympa de sa part. Il a tenté et on a réussi en fait à jump son ulti. Bah, moi dès que je vois son Cinder, je sais qu'il va m'ulti à ce moment-là. Je n'ai qu'à jump. Parfait. La petite pirouette, hein. On va se mettre là. Pour pas qu'il voit qu'on est en train de faire le bleu. Nickel. Parfait. Courage Fion. Les chaussures. Très important sur la demoiselle. Les chaussures normales. Hop, on attend pour sa mana. Wouhou! Parfait. On full up le 1 puis le 2. Le 2 en fait, qui nous permettra à Poc à reprendre notre vie. C'est beaucoup. Le 2 fait quand même énormément. Hein. Parfait, il lui fait son bleu. On va aller continuer à l'aider. Voilà. Ce que je recherche toujours, c'est de le
kill au jump arrière, comme ça. Hop, voilà, parfait. Le kill au saut arrière, c'est le mieux. Le souci pour lui, c'est que, ben, il joue bizarrement. C'était un peu obvious que j'allais venir le chercher. Hop. Parfait. C'était un peu obvious. J'ai mis un spell au hasard pour récupérer, parce que je l'avais entendu. Hein. Et le mec est resté. Donc à partir de ce moment-là... Oh, oh c'était horrible ça. Hop, debuff d'attaque speed. Il peut pas faire grand-chose. Réellement, il joue pas assez agressif. Il arrivait trop en retard en fait sur la lane. On va boire la potion de mana parce que j'ai pas envie d'être manquant. Hop, hop. Parfait. Bon bah là j'ai juste purif en fait son ulti au bon moment. Qu'est-ce que je vous dise. ça s'est passé comme ça. Je peux pas faire grand chose. Il a pas de chance hein. Honnêtement il a vraiment pas de bol. Hop. Hop. Voilà. Touché. Parfait. Et un Cinder. On va back, je vais laisser le rouge. Je peux pas faire grand chose, pas assez de vie. Exécuteur, c'est une très bonne idée. Go go go. Oui, je sais que si jamais je laisse charger mon ulti, il fait plus de dégâts. Tu peux enlever ton commentaire si tu l'as écrit. Moi je me sers l'ulti comme d'un stun d'une seconde. C'est le plus important pour moi. Il a le rouge? Je vois pas s'il a le rouge. Il a trop de trucs autour de lui. Pas de chance. C'était du jeu. Il s'est dit, j'ai peut-être pris un peu trop l'agro des creeps. Ah bah, ok. Il a fait mon rouge. Encore une fois. À chaque fois, ça lui coûte la vie, en fait. Ça lui permet, en fait, de rester plus ou moins dans la game, ça, c'est sûr. Le problème, c'est comme moi, à chaque fois, je fais mon bleu. Bah, c'est pas bon. Si jamais tu veux pouvoir gagner ta game comme ça, grâce au buff control, il faut absolument que tu prennes tous les buffs, en fait. T'as pas forcément besoin de jouer agressif, hein. Hop, voilà. T'as vraiment pas forcément besoin de jouer agressif dans ces cas-là. Le tout, c'est de dépêcher mieux que ton adversaire. Voilà. Bon. Il a pris des bons dégâts. J'ai pas ma purif. Oh, trop marrant. Voilà, il me fait 12 de dégâts par coup. Oh, dommage. Oh, dommage. Et il reste pour de vrai? Il reste pour de vrai. D'accord, 8 secondes et il est mort. Hein. Allez, meurs des millions. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfait. Ah non, attendez. Ça c'est quoi? Ouais. On va annuler ça et je vais prendre une matraque du bagarreur. Ouais, go! Pour enlever son heal et ici. Parfait. Ça va être rigolo. Je vais essayer en fait de le tuer dans son ulti. Si jamais il multi et que je mets ça, ça peut peut-être le tuer. Ça peut peut-être le tuer. Allez, go! Ah, il continue. Il en veut. Ah, ça s'est loupé par contre. Ok. Tenté. Le mec est mort. Le mec est mort devant son PC en fait. Il y a plus que les bras, il y a plus de tête. Hop, voilà. Ça me rappelle ma game quand je jouais à Ares contre Cupidon. Moi j'étais à Ares. Ouais. Le mec avec Cupidon, c'était ça. Il arrivait, il mettait deux auto-attaques toutes droit. Et moi je courais comme un con. Hop. Parfait. Voilà. Nickel Chrome. Le rouge, enfin. Est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir ce rouge? Ou est-ce qu'il va encore nous emmerder dessus? Non, ça va. Cette fois il a l'air plutôt sympa.
sais, faut jamais voler le verre de vin rouge à une dame. Jamais. Parfait. La purifiée était nulle. Qu'est-ce qu'il me fait? Il reste encore? D'accord. En fait, je garde le doigt sur mon actif au cas où le mec arrive. Il est pas mort par là encore? Non. Oh! Hop, donc ça m'a touché. Non, il peut. Ok. Voilà. On peut rentrer au KLM. Il n'y a rien à récupérer de plus. Son bleu va arriver, mais j'ai pas forcément envie d'aller le chercher. On va partir sur Size of Queen. Je suis pas du tout de lifesteal. Hein. Réellement, j'ai pas besoin de lifesteal avec cette bestiole. Je vous avais pas déjà fait un 1v1 où je vous disais que j'avais pas besoin de lifesteal sur cette bestiole? Je sais plus. Je ne sais plus. On partira pas du tout Frostalis. Alors là, n'y comptez pas. Hein. Non, pas jamais, jamais de Frostalis avec moi. Voilà. Où est-ce qu'il est? Il fait boule démon? Non, d'accord. Ok. Ok. Le mec joue vraiment. Le mec m'a soulevé et ça fait plaisir. Ça fait totalement plaisir. Est-ce que je vais finir par la perdre cette game? J'ai pas ma purif. Tant que si j'ai pas ma purif en 2, c'est vrai que c'est risqué quand même le combat. Allez, go. Go. Il va prendre ma tour. Il a un pot du lendemain. D'accord. Ok. Concentration, le mec veut jouer. J'avais peur qu'il avait lâché l'affaire. Mais non, le mec, il en veut. Il en veut, Joe. Ok. Ok. Bon, ben, go pour un peu plus d'essayer dur. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Il a quoi en actif? Un Cinder. Voilà. Ça, c'est bon, c'est récupéré. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Joe? Hop. Voilà. Je veux pas perdre ma tour là-dessus. Parfait. On va juste passer là devant lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut les faire sur rouge? Ou au moins le trap. Ok. Il me faut de l'armure là. Il me fait. T'es mort. Le mec me fait beaucoup trop mal. Parfait, go. Go. 19 secondes. Son phoenix ne peut pas défendre. Allez, c'est bon. On a le phoenix, donc là, il va devoir se combattre contre des millions de feux. Il m'a obligé hein, à jouer sévère. Il m'a obligé à le fesser. Devant tout le monde. Parfait. Son bleu a été fait. Ça me sert à rien de faire plus de dégâts. Je n'ai plus de purif. Donc ça, on va vendre. Voilà. Et maintenant, il me faut une peau du long de némé. Parfait. Pour pouvoir diminuer ses dégâts critiques. Et ensuite, on va EP ça. Et non, bah ça, je peux pas. Bah oui, on peut pas tout EP non plus. Dans la vie, il faut faire des choix. 3 levels de plus. Il a des millions de feux contre lui. Autant vous dire qu'on a connu pire. Parfait. Il va falloir que je vende mon niche cheval. Mais contre quoi? Qu'est-ce qu'il a pris? Ok. Il va partir, d'accord. C'est ça, il a une rage. Oh. Une rage? C'est bizarre, ça. L'item qui proc quand t'as tué tout le monde, d'accord. Enfin, je crois, hein, si je me rappelle. Si je me rappelle bien, c'est ça la rage. C'est l'item qui proc quand t'as tué tout le monde. Là, il peut pas vraiment me fight en fait. Vu qu'il y a des millions de feux.
Là, il peut. Surtout quand j'ai loupé ça. Hop. Je peux juste le poké. C'est vrai que je pourrais le gagner facilement. Frostalis. Parfait. Ça me touche. C'était exactement ce que je voulais. Allez, GG. Hop. On va pas s'amuser. On va finir maintenant. Parce que le monsieur est bien trop vénère. Parfait. GG Wallpaper avec Ness, sans prendre le stuff vraiment de salaud. Le mec a bien joué, honnêtement. Il aurait dû jouer moins agressif en early, peut-être, je sais pas. En gros, ce qui s'est mal passé pour lui, c'était le premier ulti où il est passé sous moi. Voilà, c'était compliqué pour lui. Et après, bon, il a fallu sortir l'essayer dur pour rattraper ses conneries. Hop, alors je lui dis qu'il aurait pu revenir. Hein. Donc c'est bon. Bien joué à lui, il a pris l'emblème horrifique pour me slow, il a pris la mana mune, son itemisation était bien. Donc voilà, mes petites gueules, j'espère que ça vous a plu, c'était Ness, et à bientôt sur les champs de bataille. Like, feed and case.